On va retrouver notre belle Anggun pour un duo virtuel avec Luciano Pavarotti. Préparez-vous, frissons garantis. Voici Caruso. Forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'America. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te show you sangue di te bene
mesdames et messieurs, intensité, passion et puissance. Merci. Bravo. Je vais aller vous rejoindre sur votre piédestal. Wow. Anggun, mesdames et messieurs. Ah. Elle est jolie, non? Wow. C'était un vrai nostalgique, mais tellement féerique. Bravo. Merci beaucoup. Anggun, il n'y a pas qu'en France qu'on t'aime. On t'aime partout sur la planète, mais plus particulièrement sur le continent asiatique. On t'a donné le meilleur prix de l'artiste la plus merveilleuse. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est très gentil. Mais en même temps, j'ai commencé depuis toute petite là-bas. Donc, je suis d'origine indonésienne. Donc, voilà, il est tout naturellement que je commence et j'ai grandi et puis j'ai bâti ma carrière là-bas. Tu es une vedette internationale. Et entre autres, tu as aussi chanté pour le film du Disney, un grand film, Raya et le dernier dragon. Absolument. J'ai fait la voix d'un des personnages et c'est le premier film d'animation Disney où on met la lumière sur justement le continent Asie du Sud-Est et j'étais hyper fière. Mais bravo, bravo. On va lui donner quelques instants pour se changer, pour poursuivre cette belle émission spectaculaire. À tout de suite, Anggun. À tout de suite.